Ouais, non, on va la reprendre depuis le début, t'inquiète. Bonjour, je suis Claire-Victoria Carl, alternante en ingénierie d'affaires au sein d'Alcis Design. J'ai tout d'abord réalisé la prépa au sein de Polytechnique Sophia, que j'ai par la suite continué donc, en électronique, donc pour mes 3, 4 et 5e années de cycle ingénieur. En 5e année, je me suis spécialisée dans les systèmes embarqués. Au cours de ces années-là, j'ai pu réaliser un stage, donc, notamment dans le domaine médical, où j'ai pu programmer sur une carte STM32. Je programmais en C, j'ai pu réaliser des scripts Python, donc c'est quelque chose qui me plaisait. Mais derrière, j'avais besoin d'une finalité autre. Et c'est pour ça que je suis arrivée au sein de Alcis dans l'ingénierie d'affaires. Ingénieur d'affaires au sein d'Alcis Design, c'est vraiment tout d'abord la partie recrutement. Donc on a le besoin client en tête. L'idée, c'est qu'on aille chercher les CV qui correspondent. Donc on pourrait très bien aller les chercher sur différents sites de référencement ou alors réaliser des forums pour directement échanger avec les candidats et leur présenter l'entreprise, comment on pourrait arriver à travailler ensemble. Après, on a une partie donc développement client, donc aller prospecter, définir comment on pourrait, pareil, agrandir les équipes au sein du client, comment on pourrait échanger avec eux. Et enfin, il y a toute une partie management, donc arriver à gérer les équipes, faire des suivis de mission, des suivis de projets et gérer les personnes, donc voir comment eux ont envie d'évoluer au sein de l'entreprise. Pour le travail, je travaille notamment en équipe. On est une grosse équipe au sein du management d'Alcis. L'avantage, c'est qu'on est en open space. Donc la discussion est vraiment fluide entre les différentes personnes. Qui plus est, je suis en alternance, donc encore en formation. Donc j'ai besoin de cet échange, notamment avec les différents chargés d'affaires et responsables d'affaires. Donc je peux facilement aller les voir, discuter de comment on pourrait gérer le problème. Et eux, derrière, peuvent me faire des formations facilement, donc grâce à cet échange-là dynamique. Au sein de l'entreprise, on a l'opportunité vraiment de réaliser la mission qu'on veut et la carrière qu'on veut. Donc typiquement, moi, je suis arrivée dans l'entreprise pour un stage technique. J'avais fait un entretien technique pour ça. Et en échangeant avec le chargé d'affaires qui me recrutait, il a vite compris que c'était pas vers ça qu'il fallait que je me dirige, mais vers de l'ingénierie d'affaires. Il m'a proposé vraiment le poste qui me correspondait et moi aussi, au final, c'est ça qui me correspondait et je le savais dès le début. On a l'opportunité de devenir ce que l'on veut être.